Un nouveau gouverneur pour la région des Hauts-Bassins, passation de charges entre l'ancien appelé au gouvernement et le nouveau. Les acteurs changent, mais la mission demeure la même, œuvrer pour l'épanouissement des populations de la région. Et puis le maïs à l'honneur à Oundé, la spéculation est la vedette des cultures céréalières de la zone, mais la filière connaît des difficultés autant pour sa valorisation que pour la professionnalisation des acteurs. La biennale organisée par l'Union provinciale des professionnels agricoles du Tuy a-t-elle tenu toutes ses promesses? La réponse dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre dans cette édition consacrée aux actualités dans nos régions. Prise de fonction officielle pour le nouveau gouverneur de la région des Hauts-Bassins, Antoine Atiou, jusque-là secrétaire général de la commune de Ouagadougou, est désormais à la tête donc de la région des Hauts-Bassins, nommé en conseil de ministre le 3 février. Il remplace à ce poste Alfred Gouba, promu au gouvernement, compte rendu d'une passation de charge avec Bitibié Naon et Moussa Sanon à Bobo-Dioulasso. Voici le nouveau gouverneur de la région des Hauts-Bassins. C'est devant une population fortement mobilisée que son prédécesseur lui passe les témoins. En dehors des missions traditionnelles, le nouveau premier responsable de la région sait que de nombreux défis l'attendent. Je pense qu'il faut renforcer la cohésion et la paix sociale. Et il faudrait également remettre les gens au travail, renforcer le leadership économique, culturel, bien entendu, assurer la veille sécuritaire dans cette région-là. Le gouverneur sortant s'est dit satisfait de son bilan. Il pense avoir fait de son mieux en une année pour favoriser le développement de cette région, les Hauts-Bassins. Eu égard aux conditions dans lesquelles nous avons exercé donc les missions qui nous étaient confiées, je crois avoir jouer ma partition avec donc ces difficultés, ces hauts et ces bas. Nommé secrétaire d'État chargé à la décentralisation, Alfred Gouba cède donc sa place de gouverneur de Hauts-Bassins à Antoine Atiou, qui n'est pas un inconnu dans la région, pour avoir servi comme préfet de Oundé, secrétaire général du Tuy et secrétaire général de la commune de Bobo-Dioulasso. Et pendant ce temps, à Oundé, dans le Tuy, on a parlé agriculture et promotion des produits céréaliers, en l'occurrence le maïs, une spéculation dont la production occupe les premiers rangs dans cette partie du Burkina. Une foire se consacre à la promotion de la céréale, notamment dans le combat pour la sécurité alimentaire. Il faut aussi penser à la professionnalisation des acteurs. Le tout dans un objectif, solutionner les problèmes auxquels fait face la filière. On voit tout cela avec Hassan Gourabou et Mireille Carole Touguma. Une exposition des différentes variétés de maïs. L'enjeu à cette troisième édition de la journée promotionnelle de cette céréale est la professionnalisation de la filière afin de promouvoir la sécurité alimentaire. Une opportunité pour les organisateurs de faire connaître leurs produits. Ce que nous voulons faire comprendre, c'est voir comment on peut renforcer la chaîne de valeur. La production, elle est certes importante, mais il faut pouvoir la mettre sur le marché. Et c'est à ce titre-là que ces journées-là sont retenues pour réfléchir sur un certain nombre de problématiques. Il n'y a pas de marché. Il va produire, qui va prendre le maïs? Un maïs de qualité mais qui n'a pas d'acheteur. Autre problème, la pluviométrie, le changement climatique. Il y a le problème des intrants qui est cher. Pour pallier certaines difficultés, des mesures sont prises au niveau du gouvernement. Au niveau variétal, la recherche a développé un ensemble de variétés. En plus des variétés, alors le gouvernement accompagne les acteurs pour qu'ils puissent avoir accès aux intrants agricoles, notamment les engrais et aussi les équipements. Des équipements, il y en a eu au cours de cette cérémonie. Les 10 meilleurs groupements ont reçu des charrues et de quoi améliorer leur production agricole. Voilà, eux sont des anciens stagiaires et volontaires de la coopération japonaise.
Passé le stage, ils sont engagés dans divers chantiers de développement, mais ils se donnent aussi un peu de temps pour penser aux autres. Dans le cadre de leurs activités, eh bien, l'amicale de ces anciens stagiaires ont initié une sensibilisation sur l'hygiène et la protection de l'environnement au profit de jeunes scolaires. Question de développer en eux la culture des bonnes pratiques. Amadou Ilboudo et Oumou Sissé. Zéro sachet plastique dans la cour de leur école. Le temps d'un après-midi, les élèves de l'école primaire de Gungun Sud, aidés de leurs parents, des volontaires de l'agence japonaise de la coopération internationale et des anciens stagiaires burkinabés de la JICA, sont allés à la chasse de ces sacs plastiques. Des sacs plastiques qui contribuent à la dégradation de l'environnement. On a jugé bon de nous adresser à nos enfants et à nos jeunes frères, échanger avec eux, leur faire quelques démonstrations sur l'hygiène et puis sur la protection de l'environnement. L'activité de la JICA porte sur surtout l'intervention dans le secteur éducation. C'est dans ce cadre-là que nous avons choisi certains sites pour mener cette sensibilisation. Après avoir inculqué à ses élèves le savoir-faire nécessaire pour préserver leur cadre de vie, l'amicale a tenu sa deuxième assemblée générale depuis sa création en 2001. L'objectif est de faire le bilan des activités menées jusque-là et de réfléchir ensemble sur les moyens de redynamiser la structure. On a demandé d'abord une adhésion massive de ces anciens et stagiaires burkinabés. On a fait en tout cas un lobbying pour que les anciens stagiaires là puissent adhérer et nous continuons en tout cas de sensibiliser en tout cas ces anciens stagiaires là pour qu'ensemble nous puissions vraiment faire connaître vraiment l'image du Japon. À ce jour, plus de 1000 fonctionnaires burkinabés ont bénéficié de stages pratiques au Japon dans divers secteurs dont la santé, l'éducation et l'environnement. L'amicale des anciens stagiaires burkinabés de la JICA s'est donnée pour mission de faire connaître la culture du pays du soleil levant. Elle compte organiser les 72 heures de ses activités dans les jours à venir. Et vie associative, toujours, la jeune chambre internationale des Dougou Ekla a tenu son assemblée générale samedi dernier. Une assemblée générale qui marque sa rentrée solennelle, ponctuée d'une passation de témoins entre nouveaux et anciens présidents. De nouveaux membres ont également prêté serment. On voit tout cela avec Bakary Seri, Christophe Traoré et Nayalagdo Paul Sawadogo. Remise des attributs, prestation des serments, par ses actes, Karim Kabouré est désormais le nouveau président de la jeune chambre internationale des Dougou Ekla. Cette cérémonie marque aussi la rentrée solennelle 2016, placée sous le thème « Engageons-nous pour une paix durable ». La nouvelle équipe salue les actions de l'équipe précédente et promet relever les défis. Le président sortant a fait un très bon mandat. Le plan d'action qu'on avait élaboré l'année passée, nous sommes à un taux d'exécution de 80%. Je suis sûr qu'avec vraiment l'implication de tous les membres et encore le bureau, nous allons relever le défi. Pour mieux mener ses actions et réussir sa mission, le mandat 2016 de l'organisation locale membre OLM JHI de Dougou Ekla s'est doté d'un parrain, un ancien de la jeune chambre internationale. Nous avons eu l'avantage d'être membre de cette prestigieuse organisation depuis déjà pratiquement plus de 20 ans. Et nous allons mettre à leur disposition les conseils, les désirs que nous avons connus dans cette organisation, qui est vraiment une organisation noble. La Jeune Chambre internationale est une fédération mondiale de 200 000 jeunes citoyens actifs de 18 à 40 ans, répartis dans plus de 112 pays à travers le monde. Et la paix, un vain mot, non, selon l'association Mouni Alabari de Bobo Dioulasso. Et ce ne sont pas les attaques terroristes à travers le monde qui détourneront l'association de ses objectifs, qui sont entre autres de promouvoir l'islam, une religion de paix. La jeunesse est la cible privilégiée, pour faire passer les messages de cohésion et de paix. Il faut donc faire de ces jeunes des porteurs de ces valeurs. On voit tout ça avec Lamine Karantao et Ahadi Sandamba Bobo Dioulasso. Pour la préservation de la paix et de la cohésion sociale,
Les jeunes du quartier Kombougou de Bobo-Dioulasso unissent leurs forces. Réunis au sein de l'association Mouni Alabari, ils sensibilisent ici les populations sur la nécessité de cultiver et surtout de préserver la paix et la bonne cohabitation dans un contexte mondial en proie à la violence. Et c'est au pied du mausolée Guimbi Ouattara que se tient cette conférence. On dit que l'islam est une religion des barbares. Donc nous, on a initié cette conférence-là pour démentir que non, l'islam, au contraire, l'islam est une religion de paix. À travers donc des versets coraniques et en se basant sur des valeurs africaines, les conférenciers démontrent ici la nécessité de préserver la paix, gage de tout développement. C'est ce que nous avons voulu depuis fort longtemps. Mais aujourd'hui, Dieu merci, dans sa miséricorde, a permis que ça réalise ce matin. Et mon appel, c'est la cohésion et le civisme, la tolérance et l'amour. C'est ça que nous avons fait venir ici pour nous manifester notre joie et notre adhésion totale. Nous souhaitons que les gens se comprennent bien pour pouvoir bâtir une société du bonheur et du progrès. Cette conférence se tient en marge de la première édition du Festival international Guimbi Ouattara, un festival qui se veut garant et promoteur de la culture djoula. Et dernier élément de ce journal, fini les difficultés d'évacuation sanitaire pour les populations de Diapangou dans la région de l'Est. Le centre de santé s'est vu doté d'une ambulance médicalisée. Le donateur, un député originaire de la région, il entend ainsi contribuer à sa manière à soulager les peines des usagers des services de centres de santé en facilitant les évacuations vers les centres sanitaires urbains. Aimé Douamba et Mahamadi Ouedraogo à Fadane Gourma. Une ambulance toute neuve et un chèque bancaire de 200 000 francs CFA au profit du Centre de santé et de promotion sociale CSPS de Diapangou. C'est la toute première en ce qui concerne ce centre sanitaire situé à 25 km du premier centre de référence qui est le Centre hospitalier régional de Fadane Gourma. C'était une épine dorsale pour nous, pour évacuer quand même les malades de nos structures vers les centres les plus appropriés pour les prises en charge. Et en tout cas, il vient de nous dire ouf à cette épine dorsale, il vient de nous l'enlever et en tout cas, on est émus. L'initiative est du député Oumarou Idani, élu sous la bannière du Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP. Selon son représentant, cela n'est qu'une partie des projets de développement que le donateur a pour la population de cette localité. Il a pris la mesure des souffrances des populations quand il y avait des problèmes de traitement d'urgence de maladies. Et il s'est engagé à remettre une ambulance. Le député s'engage également sur d'autres chantiers. Il y a le barrage de Diapangou dont la digue a cédé lors du dernier hivernage. Et il y a également un pavillon du CSPS qui a été ravagé par les flammes. Le parrain de la dite cérémonie et par ailleurs préfet de Diapangou a remercié le donateur pour ce geste de solidarité qui, selon lui, va contribuer à réduire le taux de mortalité dans la commune et à améliorer les prestations sanitaires de leur CSPS. Il invite alors les bénéficiaires à un bon usage de cette ambulance reçue. Voilà donc qui met fin à cette édition. Merci pour la fidélité. L'information revient à 20h avec Jean-Emmanuel Ouedraogo.